Je veux un gars qui me traite comme une reine. Si c'était vraiment le cas, tous les gars dans la friend zone que tu as, tu serais déjà en couple avec eux. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je sais les gars, vous avez vu la première fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà, à cliquer sur la cloche. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas, où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines avant de créer l'arnaque. Regarde quand même, hein, et ma formation pirate marketing, bon ça c'est si jamais tu connais déjà, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. T'as un lien en description qui te permet d'avoir un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe. L'appel est complètement gratuit, donc si tu veux en savoir plus, tu pourras poser toutes tes questions par rapport à ça. Et pas d'excuses les gars, si jamais tu fais rien, il va rien se passer, ok? Et quand tu vas commencer juste à te former, ça dépend si jamais tu es déjà formé avant, mais si tu pars vraiment de 0-0, sache que c'est 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre. Pas de magie, il n'y a pas de raccourci, ça n'existe pas, tu vas juste perdre du temps si tu cherches un raccourci. Mais pas d'excuses, on a grandi à Évry dans 91, dans le quartier des Pyramides à Évry. On a redoublé son BEP, trop technique. Arrêtez de chialer. Si tu fais rien, il va rien se passer. Ça fait plus de 4 ans que je voyage maintenant, que je suis libre, que j'ai de mon business. Donc les gars, si tu fais rien, il va rien se passer. Je ne sais pas comment je peux le dire autrement. Et passons directement au sujet de la vidéo. Alors les mensonges que j'ai le plus entendu, petite vidéo détente, je pense que voilà. Et aussi pour pouvoir permettre à beaucoup, hein, je pense beaucoup d'entre nous, qui se font toujours avoir par ce genre de mensonges qui sentent bien l'oreille, qui fait plaisir, hein, comme du miel. Pas trop compris qu'est-ce que j'ai voulu dire avec le miel là, mais en tout cas à un moment donné il faut que ça cesse. Alors évidemment aussi que les hommes mentent, les filles, je suis au courant. Voilà, mais là, je parle aux hommes. Donc, du coup, on va parler de vous, les filles. Premier mensonge, c'est genre quand elle dit « Moi, la priorité, c'est la personnalité. » Alors, à moins que tu sois un séducteur hors pair, la personnalité, non, c'est pas la première chose qui vient. C'est pas du tout la première chose qui vient. C'est d'abord, une fois que t'as... Après, j'ai pas dit que c'était pas important pour les femmes. Okay, la personnalité, c'est important, mais c'est sûrement pas la première chose. Okay. D'abord, il va falloir que tu correspondes à certains standards en fonction de ses goûts. Voilà, une fois que tu as certains standards, ok, il est comme si, la situation financière stable, il est attractif. Okay. C'est quoi sa personnalité? Voilà, là on est bon. Okay. C'est pour ça que tu as plein de filles qui disent, ouais, de toute façon, une fois qu'elle s'est finie avec leur ex, leur ex était toxique. C'est quoi le truc qui était à la mode là? Je crois que c'est toujours à la mode ça, c'est pervers narcissique. Tous les gars, c'était des pervers narcissiques. Dès que la relation était finie, pervers narcissique. Ah bah, j'ai dit, bah, faut savoir, mais comme tu savais pas au début, quoi. Non, c'est quoi, c'est fini. Ah, d'accord. Donc, finalement, la personnalité, c'est pas tant que ça. Même si on s'entend que, les gars, il faut avoir. Déjà, il faut connaître les secrets de nature féminine. Tu as déjà son description, ça, c'est la base. Qui te permettra d'agir, enfin, d'avoir une compréhension qui te permettra d'agir comme il faut agir en tant qu'homme. Parce que quand ils disent la personnalité, je pense que c'est plus ce que tu agis comme un homme, tout simplement. Voilà. T'as deux sont en description, je rentre en détail dessus. Deuxième mensonge que j'ai beaucoup entendu, c'est « je n'ai jamais couché le premier soir ». Alors évidemment, je fais des généralités, il y a des filles sûrement qui n'ont pas couché le premier soir. Ça, c'est sûr. C'est tout ce que je vais dire, de toute façon, que les mensonges, il y a des généralités. Moi, je connais des filles qui réellement, la personnalité, c'est la première chose, c'est la priorité. Tu vois. Mais franchement, les gars, ça, c'est rare. On va pas se mentir. Donc pareil, hein, je n'ai jamais couché le premier soir. Je ne suis pas intéressé par l'argent. À un moment donné, même les hommes sont intéressés par l'argent, tout le monde est intéressé par l'argent. Donc quand une fille te dit je ne suis pas intéressé par l'argent, c'est juste qu'elle veut te faire croire qu'elle n'est pas intéressée par l'argent. Et tout le monde est intéressé par l'argent. Alors après, il y a des filles, que personnellement, j'ai connu des filles, qui ne sont pas intéressées par l'argent. Alors il ne faut pas non plus que ce soit un clochard. Il faut quand même que tu fasses au moins un minimum. Mais il y a j'ai connu des filles qui... d'ailleurs, j'ai même été en relation avec des filles qui ne sont pas sur genre, ouais, il faut que tu aies de l'argent, il faut que tu sois millionnaire, etc. Mais ça, les gars, c'est rare. Ça, c'est rare. D'une manière générale, mensonge. Autre mensonge aussi que j'ai beaucoup entendu, c'est je veux un gars qui me traite comme une reine. Si c'était vraiment le cas, tous les gars dans la friend zone que tu as, tu serais déjà en couple avec eux. Je pense que j'ai pas besoin de rajouter plus. Alors ça ne veut pas dire les gars que genre il faut traiter les femmes n'importe comment. Non mais qu'on soit clair. Ah mais alors tu me contredis, qu'est-ce que tu dis? T'as deux sans description. Autre mensonge aussi qui est un mensonge de manipulateur, c'est les hommes qui s'occupent du passé des femmes sont pas des vrais hommes. Bon, évidemment que c'est un mensonge. Hein. Les femmes regardent le futur de l'homme et les hommes regardent le passé de la femme, ça a toujours été depuis la nuit des temps et ça ne changera jamais parce que c'est juste basé sur de la biologie.
Donc du coup, on ne commande pas notre attraction via le sexe opposé. Tout n'est pas construction sociale. C'est que ça, c'est le nouveau truc. Donc bref, toutes les femmes que j'ai entendu dire ça, c'est des femmes qui font des dingueries et après elles ne veulent pas assumer. Et elles veulent qu'elles soient considérées comme les autres femmes. Alors, vous avez tout le respect, tout ça, des choses, et pas de problème. Mais tu ne seras pas la mère des enfants. C'est la moindre des choses, quand même. En fait, elles veulent le même respect qu'on a pour une femme et l'admiration, on pourrait rajouter, que l'on a pour une femme qui n'a pas couché avec beaucoup de gars, en comparaison avec une femme qui a couché avec 100 gars, 200 gars. C'est la même. Ça devrait être la même. Ah d'accord. Et sinon, je suis pas un vrai homme. Je suis assez cure. Oh, ah d'accord. Autre mensonge, c'est désolé, j'ai pas vu ton message. J'ai pas besoin de rentrer en détail. Hein, toutes les filles voient vos messages, les gars. Et le dernier, c'est mon préféré. C'est mon préféré, c'est là. On est tous tombés dedans. C'est tu peux me dire, je vais pas le prendre mal. Sous-entendu, je serai pas vénère. T'inquiète pas, tu peux me dire. Quand elle te dit ça, c'est pas vrai. Ça veut dire que tu peux me dire, si c'est pas ce que je pense que tu vas me dire, je serai pas vénère. Donc ça, c'est souvent dans les cas genre moi, je l'ai entendu personnellement plusieurs fois. Hein. Tu peux me dire, t'inquiète pas, je vais pas le prendre mal ou un truc comme ça. C'est souvent dans la phase de est-ce qu'on est ensemble ou pas. Tu peux me dire, t'inquiète pas, je comprends. Même si au début tout était clair. Hein. Si tout au début était clair, on est des amis. Quand même savoir qu'est-ce qu'il en est. Voilà. Bon bah là tu sais très bien que j'ai fini. Tu sais très bien que. Hein? Tu sais très bien qu'elle va me prendre mal. Quelle que soit la chose que tu as à dire. Quelle que soit la réponse, de toute façon, elle prendra mal. À partir du moment qu'elle sort ça, tu sais que c'est fini. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mettre un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo, un petit j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et puis les gars, ouais, si tu veux aller plus loin avec moi, t'as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je savais pas encore.